Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la session 2023 du Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauze. Je vous laisse regarder sa vidéo que je mettrai en barre d'infos où elle explique absolument tout. Mais donc voilà, ça fait plusieurs années que je participe au Pumpkin Autumn Challenge qui se tient de aujourd'hui je pense, ou à partir de demain, je ne sais plus. Bref, début septembre jusque début décembre. Voilà, c'est toujours le challenge de l'année que je préfère et qui me motive le plus. Ce matin, sa vidéo est sortie, j'ai fait directement ma palle. J'ai passé ma matinée à faire ma palle, etc. à faire des photos, des réels et tout. Donc autant dire que voilà, vous voyez le niveau d'excitation. Je voulais acheter un costume d'Halloween hier pour vous filmer la vidéo, mais en fait il n'y en avait aucun à ma taille dans le magasin où je suis allée, donc bref, ce n'est pas grave, j'ai mis mon t-shirt Read the Things, qui est comme dans l'ambiance un petit peu automnale, donc c'est parti. Si vous entendez des petits pleurs, petit disclaimer, on essaye de mettre mon fils au lit, il y a le papa qui est en haut avec lui, mais il n'a pas très envie, c'est l'heure de la sieste, mais bref, voilà. Du coup, commençons tout de suite. Alors comme d'habitude, je ne vais pas vous faire des résumés de chaque clip, sinon la vidéo va durer une heure, mais voilà, je vais juste vous expliquer pourquoi je les ai mis dans ces catégories. Le premier menu se nomme Automne frissonnant, et la première catégorie se nomme Viens flotter avec nous, dans laquelle il faut mettre de l'horreur, du thriller, du clown, de l'épouvante ou du fantastique, bref, ce sont les mots-clés. J'ai mis deux livres que je n'ai pas encore sous la main, mais que je vais bientôt recevoir, et peut-être que je m'achèterai le troisième si j'aime bien les deux premiers. Donc c'est Frissons au Mont, Hemlock et Terreur à Smoke Hollow. Je vous mettrai des petits visuels pour que vous ayez les noms des auteurs également, qui sont du coup des sagas jeunesse 8-12 ans, qui sont horrifiques, un peu à la chair de poule, et ça m'a l'air bien sympathique. Ensuite, nous avons l'enfer des backrooms, où on a comme mots-clés dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Et moi, j'ai misé plutôt sur légende urbaine. J'y ai mis Jiken de Louis San, donc c'est Louis Enras, hein, qui est très connu sur YouTube et bref sur les réseaux sociaux pour ses vidéos autour du Japon. Et ici, en fait, c'est il reprend 10, hein, je pense que c'est le total, faits divers les plus effroyables de l'histoire du Japon. Voilà, des faits divers, mais je pense qu'il y a aussi un petit peu de légende urbaine, etc. Puisque je pense que voilà, il y a un peu du... un peu de l'horrifique aussi dedans, pas seulement des histoires vraies. Donc voilà, j'ai hâte de les couvrir, je l'avais réservé pour le Pumpkin Autumn Challenge et du coup j'ai trop hâte de pouvoir enfin le lire. La troisième catégorie se nomme Perfectly Splendid, où les mots-clés étaient fantôme, famille, manoir, possession gothique et drame. Là j'ai mis deux livres. J'ai mis Jusqu'en enfer de Lee Bardigo, qui est donc la suite de La neuvième maison, qui nous emmène dans à Yale, c'est ça, hein, aux États-Unis, donc une université de l'Ivy League. Et clairement, on est dans tout ce qui est horrifique, on est dans l'université, on est dans les sororités, mais les sororités plutôt, sororités de la fraternité, plutôt qui tournent autour de la magie, de l'horreur, etc. J'avais adoré le tome 1, c'est extrêmement gothique aussi, et j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Et j'ai mis, hop là, Les Éblouis de Hélène Manceau, je crois que c'est comme ça qu'on dit, dans lequel ici on va suivre une jeune fille qui va intégrer une école et qui a décidé de vraiment l'intégrer d'une manière un peu rebelle. Voilà, elle veut fonder un gang de rebelles, perdre sa virginité et surtout débusquer le fantôme qui, d'après la rumeur, hante le lycée. Ça a l'air vraiment très chouette. Et clairement, on est de nouveau dans des thèmes un petit peu autonomes slash halloweenesque. Le deuxième menu se nomme Automne douceur de vivre. Et dans la première catégorie, nous avons Something Wicked This Way Come, avec comme mot-clé Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. Je pense qu'ici, clairement, ça rentrera dans la catégorie avec le mot-clé automne, puisque le livre s'appelle Automne. Je ne sais pas vous dire exactement ce qui va se passer, je sais juste que je les avais repérés. Voilà, c'est des livres des éditions Lumignon, il y en a un pour chaque saison, je pense que c'était Alex Bouquin en Prada qui en avait parlé. Et ils sont, enfin voilà, ils me tentaient beaucoup, c'est une saison avec les sorcières, et donc là c'est la saison automnale avec les sorcières, clairement on est dans le thème. C'est accompagné d'illustrations juste à tomber, j'adore le travail des éditions Lumignon, je découvre en fait leur travail, j'avais découvert ça voilà, à travers, il me semble, Alex Bouquin en Prada, peut-être aussi Rêve ta vie en lecteur, mais je ne suis pas sûre. Voilà, clairement celui-là je le gardais aussi pour l'automne, puisque j'allais pas le lire en été ou au printemps, ça n'allait pas. Et j'ai mis également dans cette catégorie À point fermé de Amélie Antoine, parce qu'on a le mot clé cauchemar, et ici on a un homme qui va venir hanter les nuits d'un enfant et les transformer en cauchemar. Voilà, je me souviens plus exactement du résumé, je sais juste que c'est un monsieur qui balaye les rues et qui va venir hanter
Les rêves d'un enfant. Voilà, c'est très flou dans ma tête, mais je trouve qu'il est parfait aussi, et parfaitement dans les... Enfin, pour le Pumpkin Autumn Challenge, et parfaitement dans les couleurs de la saison. Ou plutôt de Halloween. La deuxième catégorie se nomme poupée de souvenirs automatiques à votre service. Il faut y mettre... Il y a comme mot-clé épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Clairement, ici, je suis partie, ça aurait pu être dans une catégorie aussi fantôme, mais plutôt sur les sentiments et sur l'amour, avec Cemetery Boys de Aiden Thomas. Ou dans mon souvenir, d'ailleurs je crois que j'ai déjà mis dans un challenge, je ne sais plus. Mais bref, mais dans mon souvenir, on a en fait ici quelqu'un qui va ramener un fantôme, mais c'est pas le bon fantôme, mais finalement ils vont se lier un peu d'amitié ou d'amour, je ne sais pas trop. De nouveau, c'est assez flou dans ma tête, mais clairement ça va parfaitement dans la catégorie amour et sentiment, puisqu'on a ici une enquête paranormale et romantique aussi poignante qu'envoûtante de Publishers Weekly, donc ça c'est un avis, donc clairement... On nous dit enquête romantique, ça devrait bien rentrer dans la catégorie. Ensuite, nous avons comme catégorie la Dame Chouette des îles bouillantes, où on a comme mot-clé sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. J'ai mis de nouveau deux livres. Alors tout d'abord, je pense que c'est un classique au Japon, c'est Le Château solitaire dans le miroir, dans lequel on a des jeunes qui sont dans un château où on nous dit que il faut quitter les lieux avant 17h, sinon on se fait dévorer par le grand méchant loup, et il y a une histoire aussi de vœux à réaliser. Voilà, on a Kokoro et ses 6 amis qui ont un an pour trouver la clé, parce qu'il faut trouver une clé, la clé de la chambre des souhaits. Ça a l'air génial, moi j'adore de toute façon tout ce qui est folklore japonais, etc. et livres du Japon, ça c'est vraiment un livre très connu au Japon, donc je suis ravie d'enfin le découvrir dans cette belle édition qui est sortie très récemment chez Milan. Et j'ai mis également League of Liars de Astrid Schold, dans lequel on a un personnage qui veut condamner toute forme de magie, condamner tous les utilisateurs de la magie, mais il va être ébranlé par 3 détenus, Eleonora, Jay et Leta, parce qu'ils réalisent en fait que les preuves, les accusations semblent falsifiées. J'en sais pas beaucoup plus, là, je viens juste de vous lire quelques petits passages du résumé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et alors pour la quatrième catégorie de ce menu, j'ai pas mis de livre, mais en fait je propose qu'on organise une lecture commune autour d'un des livres de ma pile à lire. Donc voilà, moi j'aime beaucoup organiser les lectures communes, donc n'hésitez pas à me contacter s'il y a des livres qu'on a en commun ou qui vous tentent. Donc en fait c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent, où il faut partager tout simplement une lecture commune, ou bien il y a aussi la notion de livre acheté, livre offert. Ensuite, nous avons le troisième menu qui est en fait le thème de ce challenge. Hein. Chaque année, Guimauze amène vraiment un menu, un tout nouveau menu en fait, qui est le thème principal du challenge. Et cette année, il s'agit de Automne des bois et au-delà, avec comme première catégorie, ma préférée évidemment, puisque bon, vous commencez à me connaître, La mémoire de la forêt. J'ai, voilà, un de mes livres préférés au monde. Donc la première catégorie se nomme Pas malheur, c'est le goût de la tarte aux amandes. Il faut y mettre des animaux, enfin il y a comme mot-clé animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Alors déjà je compte y mettre la version audio qui va sortir de Mémoire de la forêt, le tome 1. Je vous laisse voir l'annonce sur le compte Instagram de Michael Brun-Arnaud, donc The Fox Storyteller. Évidemment je compte y mettre le tome 3 de Mémoire de la forêt qui sort le 3 octobre dans mon souvenir, et je compte y mettre aussi un autre livre qui n'est pas encore sorti, il s'agit de La fille renard qui sort chez PKJ. Je ne me souviens pas du tout du résumé, je sais juste que c'est une fille qui a des oreilles de renard. Clairement je pense qu'il est parfait pour cette catégorie, et en fait la catégorie on aurait pu avoir comme mot-clé renard, parce que toujours autour des renards pour moi dans cette catégorie. La troisième catégorie se nomme Légende de la hache noire, où il faut du médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. J'ai mis Olympe de Roque d'Or de Jean-Philippe Arrou-Vignode et de François Place, dans laquelle on a une jeune femme qui doit être mariée de force et qui décide de s'enfuir. Et du coup, on va partir vraiment dans un tout un roman d'aventure. On a des châteaux, donc je pense que ça correspond bien au thème. Hein. Château, combat, voilà, épopée, ça. Et on nous dit même cap et d'épée au féminin. Je pense que ce roman-là est parfait. Ensuite, nous avons la mélodie infernale de La cornée de chasse, avec comme mot-clé monstre, créature, wyvern, expédition et aventure. Clairement, pour les deux livres que j'ai mis dans cette catégorie, je suis partie sur le mot monstre. J'ai mis La leçon du mal de Yusuke Kishi, qui est un livre donc d'un auteur japonais. En fait, tout simplement parce qu'on nous met dans les avis ici, un étouffant huis clos avec comme héros le plus séduisant des monstres. Il m'en fallait pas plus. Voilà. Je sais que ça tourne autour d'un psychopathe. Il me semble que c'est un professeur qui est adulé par ses élèves, mais qui en fait est complètement manipulateur, calculateur, voilà, psychopathe, etc. Ça a l'air juste
incroyable et j'ai hâte d'en savoir plus. Et j'ai mis un livre, je ne saurais absolument pas vous le résumer parce que je ne me souviens absolument plus. On en a beaucoup parlé quand il est sorti sur les réseaux et depuis j'ai plus voulu lire le résumé parce que je veux me lancer à l'aveugle dedans. C'est Steph qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc c'est 10 Savage Songs de Vivi Schwab, une autrice que j'adore. Pourquoi j'ai mis dans cette catégorie? Parce qu'ici on a une petite phrase d'accroche qui commence par monstre, monstre, petit et grand, ils vont te dévorer vivant. Corsaille, corsaille, crocs et griffes, ombre et os t'écorche vif. Malkai, Malkai, sourire tranchant, montre les crocs et boive ton sang. Sunai, Sunai, yeux de charbon, vole ton âme d'une chanson. Monstre, monstre, petit et grand, ils vont te dévorer vivant. Ai-je besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Et enfin, la dernière catégorie se nomme Rocket Raccoon on the Run, avec comme mot-clé mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Et j'y ai mis un roman de science-fiction, donc la dernière histoire d'amour c'est Extincta, en fait le titre en grand format c'est Extincta mais il est ressorti en poche chez PKJ, et donc il se nomme La dernière histoire d'amour Extincta de Victor Dixon, qui est un des rares livres que je vais encore lire de Victor Dixon, à part la saga Phobos dont j'ai lu que le tome 1. Ici on a une histoire d'amour mais c'est principalement de la science-fiction avec un monde qui court à sa perte, voilà, je me souviens plus exactement du résumé, mais je sais que voilà, on a un monde qui se meurt, il me semble qu'il y a un jeu avec une bougie qui petit à petit s'éteint, mais ça c'est un souvenir que j'ai, mais je sais plus si c'est exactement ce qui se passe. Voilà, on parle d'extinction de l'humanité, grand effondrement écologique, un monde qui se meurt, dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu, je pense que niveau science-fiction, on est bien dedans. Pour le tout dernier menu automne rayonnant, nous avons la première catégorie, We'll Always Find a Way, avec comme mot-clé cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Clairement, je suis partie sur le mot-clé feel good et j'y ai mis La Maison Ocola et autres contes délicats. Je pense que niveau feel good, on va pas pouvoir faire mieux, hein. Je pense que ça va être réconfortant, gourmand, voilà. Il y a plein de petits animaux, du coup diversité, hein, parce qu'il y a plein d'animaux différents. Voilà, je sais que c'est un livre très gourmand avec plein de petits contes qui tournent autour de l'alimentation, de tout ce qui est gourmandise, dessert, etc. Ça c'est aussi un livre, en fait j'ai acheté trois livres au salon de Ah, je suis allée chez Steph de Piketty pour aller à ce salon-là, mais j'ai oublié le nom. Bref, j'ai acheté ces trois livres sur le stand des éditions Lumignon. Et voilà, j'avais trop hâte de les garder pour le Pumpkin Winter Challenge, sauf le livre hiver que je garderai pour le Cold Winter Challenge. Mais voilà, du coup, celui-là, je l'attendais avec impatience. Enfin, j'attendais de pouvoir le lire avec impatience. La deuxième catégorie se nomme L'Esprit Indomptable de Jo March, avec comme mot-clé Place de la Femme, Indépendance, Ambition, Rêve, Sororité, Théâtre, Écrivaine. Et là, j'ai mis Consumé de Antonia Crane, qui va s'intéresser au monde de du striptease ou de la prostitution. Je ne sais plus lequel des deux. Mais bref, voilà, ici c'est stripteaseuse, voilà. Mais donc, on parle de la place de la femme dans ce monde-là. Tout le monde du striptease, on s'intéresse à ça. Ici, on a une jeune femme qui était stripteaseuse, qui avait décidé d'arrêter, mais elle doit prendre soin de sa mère qui tombe malade et du coup doit retomber dans ce monde-là. Du coup, on parle aussi un peu du regard de la femme dans ce milieu-là, etc. Ça a l'air très intéressant et je pense que clairement, ça correspond bien aux mots-clés. Et la troisième catégorie se nomme Sul Ahun. Je le prononce sûrement très mal, hein. Maureen, qui est donc un hommage à Bazar de littérature, donc Maureen qui est malheureusement décédée cette année, avec comme mot-clé Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vert. J'ai misé plutôt sur le petit peuple en fait, j'ai mis Enchantments of Ravens de Margaret Rogerson, que j'ai depuis longtemps dans ma pile à lire et qu'il est temps que je sorte. Donc voilà, ici, pourquoi j'ai mis ça, c'est parce qu'on a des failles qui interviennent dans l'histoire. J'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, en plus c'est l'édition féerique. Donc voilà, je trouve que niveau petit peuple, on est dedans. J'adore Margaret Rogerson, j'adore tous ses livres, j'ai jamais été déçue. Donc il est temps que je sorte celui-ci pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et il est temps aussi que je clôture cette vidéo, puisque là vous entendez Enzo qui commence à s'énerver très fort. Du coup, voilà, et que j'aille manger d'ailleurs également. Bref, j'ai trop hâte de commencer ce challenge. Dites-moi si vous êtes aussi excités que moi, si vous participez, si on a des livres en commun dans cette catégorie. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.